Tu Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est à la villa et qu'on vous a fait énormément de conseils. Merci. Les vidéos vous ont énormément plu, mais vous avez été extrêmement nombreux à nous demander une journée avec nous. Je vous souhaite la bienvenue dans le premier vlog de la villa, mais vous allez voir, tout ne s'est pas passé forcément comme prévu. Et fermez votre gueule! What? Yo, Unchained! Ça va? Bien dormi? Tranquillement. Salut le vlog. Coucou les amis. Ah là là. C'est quoi, tu fais ton petit déj? Bah là tous les matins, comme d'hab, petit shaker de prod, petite créatine et tout. Je me lève comme ça. C'est quoi, après on va faire des œufs. Ok. Eh les gars, après on va boxer hein. On va boxer, ça vaut non, quoi? Non, je vais me faire péter les dents mec. Ça va? Bien dormi? Tranquille. Bien, regardez-moi ce puant là-bas. À peine réveillé déjà sur Valo. Ça va? Tranquille. Allez, mec, comment être tryhard. Tu viens, Brice, on va faire le petit déj. Allez, mec. Allez, les petits œufs. On va faire des œufs. Charles, t'en veux? Des œufs? Ouais. De ouf, mec. Brice, tu veux? Non. Bon, bah, on en fait que pour Unchained et moi. Non, mais. Non, mais il y a. Un Valo, je crois, Théo. Et va écrire des vidéos, je sais pas. Ok, en vrai, on en fait deux chacun. Bon, ouais, je pense que c'est bien dit. Les gars, la piscine de base, bah, c'est une piscine, c'est devenu un parc aquatique avec toutes les vidéos qu'on a faites. En sachant qu'Unchained, il lui manque une vidéo. La vidéo gadget. Bon, il fait dégueulasse aujourd'hui. Regardez, les gars. D'ailleurs, attends, qui a trouvé mon tank? Pas moi, hier, je l'ai essayé, il y avait déjà le trou. On a assassiné mon tank, frère. Oh, ça, je reconnais. C'est les cuisses de Brice. Non, pourtant hier je me suis mis dedans, je pensais que ça allait craquer, mais même pas. C'est Danny. C'est-à-dire qu'il a fait le con, je suis sûr c'est lui. Ah, ouais. Gars, les petites games de ping-pong. Bah, attends, on doit faire les œufs. Bon, c'est pas grave. Et les œufs, paraf. Là, les gars, c'est l'espace sport de la villa. C'est là que je vais battre Unchained de ping-pong. On fait en combien? En 7? Et t'es prêt? Vas-y. Balle de service. On fait 3 passes. Et ensuite. Oh, waouh. Hein. Dites-moi en commentaire qui va gagner selon vous. Ok, sauf ça. Allez, j'enlève le claquette là. Oh, on est nul. Premier en 7 les gars. Ok. Là les gars, je vais terminer, c'est fini. Je me laisserai pas abattu. Ouais. Frérot, on a fait. Wow. Ça bug. 5-2. Non. 5-3. Oh, c'est bon frérot. Belle de match les gars. Starfoula 6-4. Oh yes. Ah non, non. Vas-y, t'as fait filer, il a fait filer, Allez, let's go faire les œufs sur une victoire. Ok, donc là les gars, c'est parti pour faire des œufs. Unchained, tu veux des œufs comment? Omelette, feu plat? Ok, il m'a pas répondu. Je vais baiser. J'ai pas l'habitude de la cuisine. J'ai fait du poisson hier dedans, en fait, ça a pas été lavé. Faut toujours laver les œufs les gars. Pas du tout. Pas du tout. Ça. Non, il y en a tout. Personne n'y Mais mec, faut toujours laver les œufs. Mais frère. Pas du tout. Faut toujours laver les œufs. Mais quoi? Tu laves un fruit, pas un. Always wash eggs, right? No, because when you open, the bacteria goes with it. Dites-moi dans les commentaires si vous faites. Si vous lavez vos œufs avant de les. Mais les mais faut toujours laver les œufs. Jamais. Faut toujours laver les œufs. Charles, tu laves les œufs avant de les faire. Non. Mais non, jamais de la vie, frère. Jamais de la vie, mais. Pourquoi on lave des œufs? À l'heure d'HM, on lave ses œufs alors qu'il n'y a pas besoin. Vous êtes vraiment des crados. Est-ce que toi, tu laves les œufs avant de les faire? Mais bien sûr qu'il faut. Tous les chefs les font. Théo? Oui. Est-ce que tu laves les œufs avant de les faire? Comment ça, tu laves les œufs? Est-ce que tu les passes sous l'eau, genre, avant de les faire? Non. Vous êtes trop bizarre. Vous êtes des gros dégueulasses, frère. Dani? Mais non, tout. Attends, Dani? Est-ce que avant de faire les œufs, tu les laves à l'eau? Non, jamais. Parce que dans Top Chef ils le font, donc je le fais. Voilà, c'est tout. Au pire, laissez-moi manger tranquille. Hop là, un œuf. Regarde, je suis baisé, elle est trop petite la poêle. Pourquoi il ne faut pas laver ses œufs? Laver la coquille des œufs peut aider à la propagation des bactéries. Ah, bien cher. Loser. Qui lave ses œufs de toute façon, les gars? Bon, en fait, les gars, j'ai un problème. Genre, mon omelette elle est bien, mais la poêle est trop petite. Ta gueule. Elle est trop petite, les gars, la poêle. Yo, les gars, si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu sur ce vlog. Non, Charles. Non. Arrête de montrer tes jouets comme ça à tout le monde. Je me sens vraiment comme un ratatouille. Si je peux me permettre, quand on met des épices, c'est parce que c'est pas cuisiné. C'est pour cacher la mauvaise cuisson. T'es en train de dire ça parce que la coquille de chat, elle met beaucoup d'épices? Pas du tout. Ouais, alors. Mais j'ai jamais dit ça. Bah, elle mange épicée. Et alors, ça veut rien dire? Bah, peut-être que c'est juste parce qu'elle aime. Toi, tu fais à manger? Ah, bah non, tu commandes du burrito tous les soirs. Quoi? On part. Les gars, mon omelette, elle est tellement parfaite. Elle colle même pas. Oh là là, incroyable. Chef DHM les gars. Bon, du coup en fait elle est pas que pour toi, on la coupe en deux. Petite odeur de poisson. Ah c'est normal. Ouh, DHM il sort le couteau. Juste voir. Coupe là, qui est là ici là. Oh il dégouline, c'est incroyable.
C'est incroyable. Et bon app. Bon app, mec. Mec, c'est tellement bizarre de juste tourner, tu sais, au naturel. Parce qu'en fait, tu sais, je me dis, toi, c'est mou. Mais en fait, il y aura 8 heures de rush. Donc, bon, je prends une fourchette. Moi, bon, les gars, en ce moment, vu que j'ai 24 ans, eh bien, je sens que mon corps il change et que je peux plus manger de la merde. Enfin, si je mange de la merde maintenant, ben, ça stocke de ouf ici. Maintenant, je fais du sport, je mange de la merde, j'ai du poids. Moi, fast food, j'y vais beaucoup, hein. Et y a pas de soucis. Et du coup, bah, il faut vraiment que je me limite. Ils ont acheté des princes, ils ont acheté des granolas. Je peux pas en manger. En vrai, c'est les vacances. Juste une. Moi je la mangerai pas, mon fou. Oh putain, vas-y, dégage. Je t'ai jamais aimé cette dégage. Eh les gars, mangez bien. Dans une heure, on va boxer. Ah les gars, il y a une petite embrouille là. Attendez, je dois aller voir. Il y a une embrouille ou quoi à la villa? Mon dieu, oh, je suis parti pour me lever. C'est un œuf ou une quesadillas là? Oh Théo, il y a un chat qui joue à l'eau. Non, sans le. Je vais tuer, c'est vrai? Non, ça fait un kill! Non, il a fait une assist. T'as brisé pour la case, c'est vrai? Balle par balle, ok? Tu vises le gars. Oh, il a failli tuer. Et il lui a mis 136! Je pense que je joue qui, Brice? En vrai, t'as une tête à jouer. T'as une tête à jouer Armor parce que c'est le seul arabe. J'ai tué là. Oui, oui, tu l'as tué. Tu l'as pas? Oui. La tête en tout temps. Oh! Les gars, il y a un drama à la villa. Il y a quoi, Théo? Je me fais hack. Les gars, je vous explique. Attends, fais voir. Je me fais hack en fait. J'ai reçu deux codes de vérification Epic Games, sauf qu'on était dehors. Ouais, et qu'il y a personne avec nous, les gars. Et qu'il y a personne. Et que personne connaît mon mail, mon mot de passe et tout. Du coup, bah en fait, ça veut dire que quelqu'un essaye de me hacker. Sauf que j'essaye de changer le mot de passe et l'application de mail ne fonctionne pas. Et on va aller voir Unchained qui a enfin fini sa vidéo. Il vient de mettre 300 euros sur Stumble Guys. Ouais, j'ai mal là. Bien joué, bien joué. Voilà. Mais on a eu le skin MrBeast. On l'a eu. Bon, dans 10 minutes on va à la boxe. Les gars, dans 10 minutes on va boxer. Et il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu tout à l'heure, il était sous la douche, c'est Danny. On va aller voir Danny. Mec. Ça va? Ouais, ça va. Premier vlog de la villa, t'es prêt? On va aller boxer. Tu veux aller boxer? Dans 10 minutes on y va. Ok, vas-y, let's go. Toi t'as de l'expérience, hein? Vite fait. On va voir, les gars. Les gars, on se retrouve sur le chemin. Mais non, ça vous dérange pas, je vais devant parce que je filme, les gars. Allez, salut Eva. Voilà, la voiture! Pouah! Go à la boxe. Quoi, tu t'es chié dessus? Oh, je suis foutu. Excusez-moi les gars, c'est quoi cette odeur abominable dans la voiture hein? Mais non. Oh mec, le genou, doucement. Je peux me parler, le parfum de HM sent extrêmement bon. Voilà, voilà. Merci. Franchement, il est très très soin. C'est le mien. Pas du tout les gars. Que j'ai peut-être parce qu'on va avoir des meufs après, non? Faut leur dire, Joe. Petite montre, les gars, aussi, on a rien oublié. Oh, la Audemars Pigot. Elle est stylée. Prends une montre pour l'enlever dans une minute. C'est la Audemars Pigot. Elle est bien, ma montre. Je l'ai achetée sur Wish. Ouais. Les gars, regardez, il y a une voiture tamponneuse dehors. Ah, mais c'est ma deuxième voiture, connard. Oh, ça fait comme Mastu. Il donne Mastu, quoi, les gars. Yes. Allez, c'est parti. On va boxer. Oh les gars, il pleut. Putain, ce qui est de venir ici en vacances, les gars. En vacances, dans une villa, il pleut. Quelle idée de venir ici. Moi, ce que j'avais plus ou moins prévu, c'était justement contrôler les distances, les machins, les trucs, etc., etc. Ce qu'on aurait pu faire là, c'est les deux. On aurait la même chose, mais je pense que c'est pareil. C'est vous deux, vous en avez déjà fait. Vous êtes ensemble. Et moi, j'en ai jamais fait avec Brice. On est ensemble pour le train. Et ensuite, c'est Théo qui combat Brice et moi qui combat toi. Ouais. Tu vois, donc, je pense qu'on peut peut-être séparer en deux parce que okay. Moi et Brice, on en a jamais fait. Jamais tapé de ma vie. Du coup, en fait, quand il fait, tu filmes. Quand tu fais, tu filmes. Okay. 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 On a une cam par groupe. Hop, une fois que ça c'est bon, on va les protéger au niveau des phalanges. Après, il y a plein de manières de faire les bandes. Ok, il y a plein de manières et en fin de compte, tu les fais en fonction de tes problèmes. Toi, ça va être les os qui vont être douloureux et là, tu vas traverser les doigts pour bien les maintenir dans l'axe. Ok, il y en a qui vont plus protéger les phalanges parce que c'est ce qui leur font mal quand ils tapent. Ok, donc là, on va mettre une protection. Non, mais ça, j'ai des phalanges qui sortent pas là. Yes, donc on va bien protéger ça. Et après, le poignet, il faut bien qu'il puisse rester dans l'axe. Parce que quand on frappe, on a tendance à faire ça. Quand... Il n'y aura pas de Brice. Brice. Là, il y a une chaîne dans 20 secondes là-bas. Ouais. Mec, il faut aller voler son téléphone. Mec, j'ai vu une vidéo de Pewer où il volait le téléphone de Michou toute la journée. On le fait? Bien sûr. Coucou, coucou. C'est lequel? C'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Attends. On est où? Dans ton sac. Bien joué. Let's go. Let's go, mon gars. Bien joué. Le méga prêt. Non. Le méga cours de boxe, les gars. Alright, on continue le vlog de DHM. Alors là, on vient de faire un combat de malade qui va bientôt sortir sur sa chaîne. J'ai combattu DHM, on s'est tous combattus. Et là, c'est DHM vs Théo. C'est les deux qui ont le plus d'expérience entre nous quatre. Et ils vont se battre. C'est parti. C'est bon, les gars? Oh non, pas de figure.
Ça commence à retomber là. 2x2. Allez, tapez-vous les gants. On se check. On recule. Okay. Allez, go. Ça boxe. 100%. Ah, c'est pas fort. Non, 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 c'est, non, pas non. Vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas grave. Allez, du coup, tu oublies pas ce qu'on a dit quand tu réfléchis. Ta garde. Oh, et on a eu des 1-2 avant qu'il rentre dans ta zone. Voilà. 1-2-3. Je laisse pas rentrer avec lui. Là, moi, je fais la coupe. Lui, il veut casser la distance, donc des 1-2-3 en ligne. Voilà, et toi, on prend la distance. Bien. Oh, ouah. Wow. Ouais. Wow. Le casque, c'est. Je te vois. C'est déconné, non? J'ai vu, il y a un blanc là, je crois. C'est un peu fort, les gars. Je crois qu'il y a un blanc pendant deux. Je t'en ai mis le casque. Ouais, je suis cassé là. On va faire les 40 dernières secondes et ça va être. Allez, tranquille sur la voiture. T'en mets plus encore. Bien. Travaille ton allonge, tes bras en ligne. Bien, bien, c'est trop fort à la tête. Relax. 15 secondes. Plus au corps. On va chercher au corps. Mais calme-toi, s'il est trop. 12 secondes. Et sors sur le derrière. Reste pas devant. Ouais, 12 secondes, voilà. 5 secondes. Voilà, droite. Ah, c'était pas mal, esquive, bien joué. Travaille ton bras avant. Le bras gauche, le bras gauche, le bras gauche. Oh. Wow. Alors, c'était pas mal, hein? Ouais. C'était pas mal. Alors, Adam. Les gars. On a mis un blanc en Théo. En fait. Attends, filme l'œil de Théo après. Non, ça va, il a rien. Quoi? Non, c'est bon. Un petit coup? Ouais, il y a un petit coup. C'est rien. En fait, au début, tu vas pas à fond. Pour toi? Ouais, j'ai claqué, attends. Ah, fais gaffe. Tu sais, quand tu fais le mouvement, la combinée, tu te rends pas compte, mais vu que tu vas vite. C'est ça, en fait, tu fais l'enchaînement vite. Quoi que t'as qu'à ta garde, donc. Et puis, t'as pas besoin de mettre de force pour que ça. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important de mettre le casque. Bien joué. La sécurité avant tout. Les gars, ça reste un sport. On est là pour le kiff, pour se défouler. Encadré par des professionnels. Les gars, par Sifit. Les gars, Anglette, pour ceux qui veulent venir. L'adresse s'affiche à l'écran. Il y aura le vrai combat entre Charles et moi, Brice et Théo, sur une vidéo dédiée. Là, c'est le vlog. Et on se retrouve, je pense, une fois qu'on s'est déshabillé et tout. On va manger. Les gars, on sort de la boxe. J'aimerais avoir vos ressentis, les gars. Alors, moi, ça m'a rappelé des souvenirs de fou. J'ai grave kiffé. Adam, je te propose que de temps en temps, on se revoie et on se rend fou sur la gueule. Et tu me remets un crochet et je tombe KO. Moi, les gars, mon corps, il est vraiment pas habitué à prendre des coups. Non, Charles, il se sous-estime, les amis. Il s'en est trop bien sorti, en vrai. Moi, en fait, le coach que j'ai eu, il m'a vraiment appris les bases très rapidement. Bon, en tout cas, merci Adam pour cette super vidéo. Ça, vous avez kiffé? Ah ouais, franchement, mec, c'était un. Mais c'était une première. Et les coups, ça fait pas mal. C'est la zone de confort. Et moi, j'adore ça. Bon, les gars, là, on va aller manger. En vrai, on est tous carrés, on a tous faim. Les bouchons. Ouais, les bouchons. Bon, les gars, on se retrouve, on va aller manger. Oui, si tu nous emmènes nous là. Hein? On mange quoi là? Krusty Sabaydi, le logo est juste derrière toi. Copyright? Moi, mon plan il est arrivé, pas le vôtre. Mais Lunchen, il est allé aux toilettes. Ouais. À la salle de boxe, avec Brice, on a volé son téléphone. Il est parti. Ah, vous l'avez vrai? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a volé son téléphone. Charles! Il a toujours pas remarqué. Charles, ils ont volé ton téléphone! Non, mais je suis. Mais je joue au poker, frère. Mais non, mais frère, bah, c'est un prank qu'on lui fait. Bah, qu'est-ce que tu me donnes en échange? C'est simple, négocier un truc avec moi. Une carte de bucks? De combien? 2800. Non. 13 000? Ok, 13 000, je dis rien. Dani, tu dis rien, manager? Je sais rien du tout. Mec, je te jure, c'est très. Je suis choqué qu'il ait toujours pas remarqué parce qu'il est tout le temps sur son tel. Non, d'habitude, il est toujours sur son tel, mais là, tu sais, il y a eu la boxe et ah, tout. Il est peut-être occupé pour autre chose, les gars, il est peut-être annulé pour autre chose en ce moment. Vous passez dans un vlog là. Est-ce que s'il y a des gens qui viennent, parce que sa chaîne YouTube c'est DHM. DHM. T'as combien d'abonnés? Il a 380 000. Est-ce que si des gens viennent ici, oui, et ils disent on vient de la part de DHM, tu peux leur faire une réduc? Oui. Alors attends, DHM. Ouais. S'il y a des gens qui viennent, ils te disent je viens de cette vidéo. Ok. Ils ont besoin de réduc. Oui. Tu leur fais quoi? Ouais. Tu leur fais quoi? Faut leur donner envie de venir. Un Krusty M gratuit. Ah comment? Un Krusty M gratuit. Attends, je vais en sortir. Montre c'est quoi? Donc au Krusty d'Anglette, si vous venez suite donc à la vidéo qu'on est en train de faire sur donc la chaîne de DHM, vous gagnez un Krusty M gratos. Donc on compte sur vous. Oh là là, merci, c'est gentil, ça régale. Allez, merci parfait. Les gars. Hey. Chain, t'étais où? À moi, ça. Je vais prendre du pain, tranquille. Ça a l'air d'être incroyable. Il y a les gars. Ton plat qui est arrivé. Hop. En vrai, ça a l'air bon. Ça a l'air bien bon, les gars. Dani, il se passe quoi là, Dani?
Il y a des abonnés qui sont derrière le mur et qui sont en train de nous espionner. Ça, Brice, t'es pas trop fatigué de la boxe? En vrai, pour l'instant, ça va. Je pense que ça va vraiment être ce soir. On va tous avoir un coup de barre, je pense. Ouais. Brice, il y a les barbeurs qui sont arrivés. Il a l'air d'aller se couper les cheveux. Oui, mais avant, je vais sortir de ma vidéo. Ok, bon, les gars, moi je vais aller voir les barbeurs sur la chaîne. Ça va, tranquille. Ça va. Tranquillement. Ça man, tu vas bien? L'architecte, les gars, il y aura son Instagram. Non, là frérot. Regarde-moi ça, mec. T'as vu la taille? Ouais. J'ai vu ça, frérot. Non, ça c'est au cas où, les gars. Non, ça, mais moi j'ai les cheveux très courts, frérot. Ça, ça marche pas, ça. Eh, hey, il faut que tu me rendes bien. Tu vois, Drake? Là, c'est moi. Tu veux faire le même son carrément? Je peux faire ça aussi si tu veux. Ah, vas-y. Style. Et tu fais quoi, toi? Enfin, toi, barbeur du côté, tu fais quoi? Moi, je fais juste ma vidéo pour l'instant. Ok. Des clips et tout? Parce que sans vrai, c'est un truc comme tu dis en cinéma clip. Pour des potes, mais sinon, je fais de la pub, genre pour des marques de chaussures, des trucs. Les gars, il y aura son Insta. Merci. Ce qu'on va faire, moi je vais couper en premier. Ensuite, je vais aller retirer l'argent avec mon pote Brice le temps que tu coupes lui et un autre. Comme ça, après, on gagne du temps. Ouais. Du coup, moi, couper barbe, dégradé à blanc, mio. Bah, tu vois les traces de toute façon. Tu m'as dit, tu faisais combien dessus? 10 en général. Bientôt la fin de la coupe là. Tu sais que j'ai pas vu depuis tout à l'heure, j'espère que c'est. Il part bien, il stresse hein. J'espère, on m'a dit il y avait un trou derrière. Merci chef. Allez. Bon les gars, on va voir. Les gars, je respire. Je me gratte un bouton aussi parce que je me suis fait piquer cette nuit. Après, tu te fais couper, Brice? Les cheveux hein. Bah oui. Ouais, je préfère. Tu sais que depuis qu'on est rentré de la boxe, j'ai le temps de me faire couper. Il a toujours pas remarqué. C'est vrai? Il a toujours pas remarqué? Mec, il a pas remarqué? Non. En fait, je pense que là, tu sais, là, il est rentré, il allait se doucher. Ouais, peut-être. Mais je pense que juste. Mais moi, mec, mon téléphone, j'ai tout le temps dans la main. Non, mec. Regarde, la boxe, j'ai un peu fait mal aux côtes, les gars. Je pense qu'il a été focus sur autre chose. Piscine? Pas du tout. En vrai, ça me dérange pas parce que je pense qu'elle est bonne, l'eau. En vrai, moi, je suis chaud, hein. Je pense que tu te cailles une fois que tu sors. Ouais, après, tu cours dans la douche. Ouais. En vrai, ça me dérange pas en vrai, hein. Tu veux? Attends, je fais bien le monde en fréquent de tournage. Et les gars, toujours pas remarqué. En vrai, tant mieux. Mais j'ai hâte de voir sa réaction après. Ça va être trop marrant. Là, si on plaque bien les cheveux comme arrête, ça. Arrête. Et comme une petite moustache. Tu l'avais compris direct, hein. Bon, les gars, je vais vous montrer la coupe de Unchained quand il aura fini. Notez-la sur 10 en commentaire. Moi, la mienne, c'est un 10. Alors, la coupe, t'aimes bien? T'aimes bien? Vraiment, j'aime bien. C'est très propre. Nickel. Ouais, j'ai une lunette, moi. T'aimes bien sa coupe? Je l'adore, elle est parfaite. Parfait. Bon. Yo les gars, c'est là que le taf commence. Bon, on va enlever ce petit book. Qu'est-ce qu'on fait de ce book? T'as un problème toi avec ça, hein? Tu l'as comment toi dessus? Sur le côté un peu. Ah, t'es la mentalité allemande, hein. Oh Théo, t'abuses. Oh Théo, frère, oh mon dieu. C'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie de faire. Oh mon dieu, Théo, frère, non. Non, Théo, y'a pas à faire ça. Par contre, Théo, tu sais qu'il y a toujours. Tu sais, à la boxe, je t'avais dit quand on était au resto, on a mis le téléphone de Unchained dans le sac. Tu sais que là, il est allé couper. Il a toujours rien capté. Hein. C'est pas possible. Je te jure, il a rien capté. Mais je pense que là. T'es sûr que c'est le téléphone à Charles? Mais oui, frère. Non, je pense que là, il allait se doucher. Peut-être qu'il a deux téléphones. Non, il y a eu boxe, il s'est douché. Oui, il a deux téléphones. Ah ouais? Mais c'est pas possible qu'il s'en pas comme ça. Attends, je vais aller voir, je te tiens au jus. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'il est addict à son tête de base. Mais là, il est en train de préparer sa vidéo et tout. Donc, on verra. Les gars, on commence à avoir un déluge dehors. En plus, Brice, il est en train de se faire couper. Regardez, je sais pas si vous voyez à la cam, mais. Regardez, tout trempé. Et à Brice, il se fait couper. Là, on prépare la vidéo qui de nous de Unchained, les gars. Qui sortira sur sa chaîne principale. Et c'est Dany à la prod. Let's go! Il y a quelqu'un monté? Non. T'as pas vu monter? Non. Je trouve pas, mec. Depuis quand? J'espère que je l'ai perdu à la boxe. Non, à la boxe, c'est sûr, non. Au resto, peut-être, je sais pas. Ouais, jamais, mec. Waouh. C'est quoi qui sert? Tu bois un verre d'eau, mec. Il y avait ça? Waouh. Du coup, il a perdu son tel, mec. Vous allez faire des vidéos ce soir? C'est une dinguerie. Arrête. Et tu sais vraiment que tu vas jamais le mettre dans ta vidéo? Ben non, mais ça me fait rire. T'es bête ou quoi? Les gars, on est d'accord, c'est drôle. Regardez, je suis allé chercher tout à l'heure. Les gars, le téléphone de Unchained, il est juste ici. Vous pouvez le voir parce qu'il y a Dany et Unchained, les gars. En coque. Il est avec moi, les gars. Alors, je sais pas mon micro était pas non, activé. Non, bon, du coup, je redis, les gars, la coupe de Dany, vous en pensez quoi? En vrai, t'as une bonne qualité de cheveux, je trouve. En vrai. Ça se voit que tu mets du shampoing à coco. T'as eu ça? Tu fais un vlog là? Ouais, bah c'est le vlog de même. Yo les quacous abonnés à DHM, j'espère que vous allez bien. Attends, j'ai pas filmé ta coupe, toi. Ouais, t'as vu? Les gars, honnêtement, son book c'est mieux là. Et c'est ouais, mon gars, tu connais. Oui. DHM, pour ton vlog, est-ce que tu connaîtrais la prise de cette light? Bien sûr, elle est à l'entrée. Que ça, let's go, ouais. Quoi? Tu viens de péter là? Putain, non. Les gars, on est trop frais, les gars. On est trop frais. Du coup, on va avec quoi là? Là, on va avec un qui de nous. Genre, qui de nous, c'est qui de nous est le plus intelligent? Qui de nous est le plus beau?
Je sais pas s'il y a cette question. À la prochaine. Je vais te merci, mon pote. C'était merci. Cool. Il est où ton pote? À la plus. Attends, attends. Elle m'a fait. Copine, ma copine, elle a fait. Waouh. Non, elle a fait. It's okay. It's okay. Vas-y, mec. Salut, à la prochaine. Prochaine. Rentre bien, toi. Bye, mec. Salut. Merci. Salut. Salut, mec. Ouais, par contre. Quoi? J'ai toujours pas mon tel. Là, ça, c'est vraiment chaud. Et il a ton tel, regarde, je l'ai. C'est moi qui l'ai. Ah, c'est toi qui l'as, pris, ouais, c'est un prank. Regarde, regarde. Hop, hop. J'ai perdu mon tel et. Franchement, force à toi, frérot. Ah, t'as perdu ton tel? Ouais. Ah, quel dommage. Tu vas quoi, Théo? Va te faire foutre. Va te faire foutre, Théo. Je t'aime, je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Ouais. Je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Non, je peux pas mettre ça. En fait, là, il est en train de se contenir, je le connais. Qui? Ben Chen. Hein? Je t'ai jamais aimé! Bon, non, en fait, il est où ton thème? Mec, ton téléphone en fait on l'a caché, regarde. T'as cherché là ou pas? Il est en dessous de la feuille. Après, sans portable les gars, je peux faire une petite cure de désintox, mais le problème c'est comment je gagne ma vie. Sans mon portable, je peux pas mettre les vidéos en ligne. Hein? Je peux pas envoyer des messages à ma maman. Ouais, tu renvoies jamais des messages. Bang bang. Tu veux me dire que j'ai pas besoin de mon téléphone, c'est ça? Non, je dis pas. C'est lui le voleur. Pardon. Est-ce que vous dites ça parce que je suis. C'est lui le voleur? Est-ce que vous dites ça parce c'est que. C'est lui le voleur? Vous dites ça parce que je suis blanc? Non, bah non, du coup. Tu es noir. Mais déshabille pas, Charles. Je sais qu'il y a de la tension entre nous, mais garde cette tension pour un peu plus tard dans la soirée. Les gars, Théo, il a des pecs, ils sont saillants. Sauf que les miens, ils sont deux fois plus saillants. Mec, j'ai une preuve que c'est Théo qui a volé ton téléphone. Non, mais j'ai bourré la gueule, tu m'as encore. Mec, j'ai une preuve. Tu vas encore me montrer un fake. J'ai une preuve que c'est Théo qui a volé ton téléphone. Vas-y, regarde, attends, vas-y, regarde. Attends. Regarde. Fuck de Théo. Quoi? Mais tu l'as. Attends. Mais c'est toi, tu m'as. Tu l'as pris quand cette photo? Bah c'est lui, il m'a demandé de la prendre là tout de suite. Y'a moyen que ce soit toi DHM en vrai de vrai. Arrête de toucher le cul. Quoi? Mec, il est incroyable. Je sais pas parce que genre tu filmes tout et t'as. Non mec, le vlog c'est depuis ce matin, y'a eu ma vidéo box sur. Et ton tel, j'ai pas touché. Tu rentres la box, tu dis ouais, allez, j'ai perdu mon tel. J'ai pas touché. Ouch. Au pire, appelle la box et le resto et tu vois. Avec quel téléphone? Tu peux me prêter ton téléphone? Celui de Brice. Ouais, Brice, tu peux lui prêter ton tel? Les fermes, il y a les moustiques. Tu sors quand ton blog là? Je sais pas, dans. Quand il sera monté? Dans deux ans! Après ta vidéo, t'inquiète. Là. Après, vous ferez une séquence que j'ai fait péter un premier truc. Pour ma vidéo, faut que vous sortez en mode ça, qu'est-ce que t'as fait et tout. Okay. Tu peux prêter ton tel à Charles? Il doit appeler la box et le resto. Brice m'a donné son téléphone. Ils sont fermés. Mais mec! J'essaie d'appeler la box à 23h. Et la box, forcément. On y est allé tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Okay, c'est de la. Le resto, c'est sûr, mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de la box? C'est un sport de combat. Non, en vrai, les gars, honnêtement, j'ai vérifié la salle de box. Avant de partir, y'avait rien. Moi, faut que je vous laisse, les gars. Y'avait vraiment rien. Rien. Rien du tout. Rien de chien à part le téléphone d'Unchained. Lui, c'est pas mon ami. Tu te rappelles mon ami? Les gars, je t'appelle, s'il vous plaît. Ouais, excuse-moi. Les gars, je vous laisse, hein. Juste ici. Oui, bonjour, j'ai perdu mon téléphone quand j'étais en train de manger du poulet. Est-ce que vous l'aurez récupéré dans votre restaurant? Voilà, n'hésitez pas à me rappeler quand vous envoyez ce message-là, car j'ai perdu un téléphone très cher, d'une valeur de 2000 euros. Voilà, bisous. Wesh. Wow. Wesh. Ça va? Oh! What the fuck? On s'est attaqué! Attaque! Le pétard! On s'est attaqué! Tiens-moi ça! Ah. Wesh! Les gars! On s'est attaqué! Les gars, vous venez de se fermer! Il est fou ou quoi lui? Les gars, il m'a jeté des pétards dans la gueule ce bâtard! Ça me tout pète les couilles! Wesh! J'ai perdu mon portable et y'a Théo qui me jette des. Et y'a Théo qui vous jette des pétards! Mec, j'ai l'impression que ça lui fait rien quand on lui a volé son tel. Normal, il peut rester 40 ans! 40? 400! Mais pas moi! Mais j'ai dû attendre 3 mois pour en avoir un. Ça me brûlait, hein. Non, mais c'est un prank de Théo, frère. Mec, on est sorti, il nous a jeté plein de pétards. Oh, en vrai, mec, ça te donne trop envie de me baigner, elle est bonne ou pas? Eh, t'es chaud à la piscine après? Attends, je te trouve. En vrai, elle est bonne, hein? Bon, mec, on fait quoi pour la suite du prank? Parce que en fait c'est zéro réaction mec. En fait c'est un peu ce truc, j'ai l'impression que tu sais tu réalises pas. Parce qu'en vrai mais les gars perdre un téléphone c'est tellement chiant. Parce que au-delà du téléphone, le numéro de téléphone. Faut refaire un, t'as tes banques, t'as tes codes YouTube, t'as tout. Tu fais quoi là? Ah t'as filmé.
Ah frère. C'est bon, il y a des... Attends, moi aussi j'ai une caméra les gars. Après, oh, il y a des pétards là, regardez. Petit sec. Attendez, on va leur faire peur. Faites quoi les gars? Bah non. J'ai raté les gars, attends. Je reprends l'autre. Ils sont en train de vlog aussi. Théo, il vlog. C'est moi qui vlog, on a dit. Mais tu peux vlogger aussi, t'inquiète. Moi, je parle juste à mes abonnés, genre, en tête à tête. Je vais te dire à son d'amour. T'as capté, Zerman. Grosse dégâchée en son d'amour. Oh putain. T'inquiète. Ah ! On se fait attaquer là. Qui, ouais. Qui nous a... Brice, t'abuses, frère. C'est pas moi ? Bah, c'est qui ? J'ai rien, non, il a rien fait du tout. C'est ouais. Vraiment toi qui fais. Ok, ok, j'ai un pétard dans ma poche, regarde. T'as chaud de se baigner, de faire un concours de plongeon après? De nuit? Ah vas-y, chaud, ouais. chaud. Et toi, ouais, chaud, mec, chaud. Mais grave chaud là. Chaud, mec, chaud. En vrai, les gars, on va faire un petit concours de plongeon. Vous allez nous dire selon vous qui va gagner. Bon, en attendant, moi je rentre à l'intérieur. Les gars, y a trop de moustiques. Wesh. Les gars, en fait, ça m'énerve, j'ai cut le rec. Il vient d'avoir une énorme explosion. C'est où? Vous avez pas entendu? Si, c'était là, j'ai envie de te dire, y'a un mec là. Oh hein? Ah, ça pue le brûlé. C'était quoi? Je sais pas ce que c'était, les gars. Eh, les gars, l'eau, elle a l'air incroyable, les gars. Je suis en train de me baigner, là. Les gars, j'ai fouillé un peu la maison. Et regardez ce qu'il y a ici. Des cartes V-Bucks. Hop, dans la poche. C'est les cartes V-Bucks Unchained, les gars. Les gars, ça va bientôt être l'heure de manger, là. Trop chaud de ouf. Concours de plongeon? Let's go. Je crois qu'il y a Denis, il tapait. Ah, tu vas aller dans l'eau, Dachem? Tu sautes en premier? Ouais, sûr. Dany, tu m'as appelé? Il se fout de ma gueule, là. Les gars, casquette à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. Bon, attendez, les gars, ils m'ont dit qu'il y avait Dany. Eh, les gars, il est même pas là, Dany! Il est dans sa chambre. En vrai, les gars, première fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai jamais vlog, dans l'an, c'est toujours un peu préparé, un peu. Wow! À couvert, on se fait attaquer! Wesh. Mais les. Brice, je vous ai vu. Je comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, moi j'étais en train de parler à la cam. Bref, je disais les gars, première fois que je fais un vlog, c'est un peu plus naturel, un peu plus. Je sais que voir la vidéo, je vais dire, c'est pas assez dynamique. Ouais. Mais je vais quand même la poster parce que c'est une vidéo. Oh. Bon, c'est bon, c'est bon! Les gars, vas-y, j'ai contre-attaqué, j'en ai ici. Ils savent pas que j'en ai ici. Eh, hey, j'en ai moi aussi, hein! Il a pas pété. Mec, tu vas faire. J'ai mieux. T'es prêt, regarde, on va activer le laser et la lumière. Ils veulent faire les malins depuis tout à l'heure. Les gars, là, il y a un point rouge sur Théo. Bah alors, les gars, ça va me tirer dessus au pétard. On te tire pas dessus. On vient de voir une bestiole. Sacré bestiole. Viens voir la bête. Bon, les mecs, envoie tes pétards. Y'a aucun pétard, mec. Aucun pétard. Si, en fait, c'est ceux sur le canapé, c'est ceux qui restent. Et ils sont. Moi, je dirais un sacré pétard. Je suis parti du bon camp. C'est faux, il n'y a pas de balle. Par contre, en vrai, ils nous attaquent, on va le charger. Oh oui. Eh, viens, on va le charger. On les arrose. Vas-y, vas-y. On les arrose. Ouais. Les gars, je t'ai souligné YouTube que ce ne sont pas des vraies armes, ce sont des airsoft. Allez, hop, c'est parti. Brice, va vite. Denis était avec un médecin, les gars. Ok, bon, alors là, c'est la guerre, les gars. Là, on met du gaz à l'intérieur. Ça va péter. Je suis en chaîne. Wow. What? On arrête! Police! Ça s'en souffre là! Merde! Il faut la light de l'arme! Allez, à l'ancienne! En fait, il y avait des feux d'artifice! Oh, what? T'es malade? Ils ont lancé des feux d'artifice! On est gentil? Pas du tout! On a pas niqué! Oh, putain! Tu veux? Allez! Allez, moi je prends la grande! Et le call-off. C'est que je vais vraiment leur tirer dessus, moi. J'ai pas. Eh hey mec, je vais tirer sur Théo, je m'en bats les couilles. En vrai? Ouais. Il s'en est pas pris, il s'en est pas pris encore. Mais pas à vous porter, c'est trop mal. Non. Oh, vous êtes foutus, les gars. Ok, mec, j'ai une ouverture. Wesh, frérot. C'est juste la pauvre colère, c'est tout. Ouais, elle est vraiment chargée. J'arrive, ils font tout. Oh, il sort pas dehors. Il sort pas dehors. Mais j'ai vu mon shaker, il y a mon shaker qui a des verres. Tu fais quoi? Non, pas trop. C'est sérieux. Cours, il arrive. C'est de ce camp-là, Brice. Bah non, les gars. Brice, c'est de ce camp-là. FBI. Ah, les gars, je me sens pas bien. On peut dire qu'on a gagné la bataille, bien joué. Bien joué, Joe. Ouais. Tu veux que je te prouve que c'est une vraie? Les gars. Théo, il a un pétard comme ça. Et je propose de nous laisser sortir dehors, on va faire le 14 juillet.
Quoi? Vous faites genre, ouais, on a gagné. Fais genre, on a gagné la bataille. Non, Théo, là, tu veux t'en faire, c'est bon, bah, allez-moi. Ouais, mais il faut la caméra. Faut que je te retrouve à un moment. Genre, tu sais ce qu'on fait? Charles, on se retrouvera dans le jardin. Genre, moi j'ai volé ton trophée. Ça m'a tué dessus, moi j'ai ton trophée. Tu les sauces pas, je te tire vraiment dessus. Denis, il sort. Denis, il y a Denis l'artifice des armes. Denis, il y avait quelque chose qu'il voulait pas boire là. Théo? Oui. Venez, on évite de faire sauter. Je suis au sol. Mec, regarde la marque que ça fait au sol. Faites pas sauter la caution. On est dans 5 jours. Et moi, j'ai fait exploser la girafe. Merde. Oh, il a tiré sur la girafe. Lui. Ah. Bon, mec, on a gagné. Ouais, mec. Bah, en vrai, Théo, je sais pas où il est parti, les gars. Putain, mais normalement, c'est le contraire, non? C'est pas le blanc qui fouille l'arabe? C'est quoi ça? C'est pas moi, c'est Abris. C'est pas moi? Bon, des petits pétards, je pense que faut aller chercher Théo parce que il cache bien l'enjeu de toi, tu restes enfermé ici toi. Allez. Non! Tu fais quoi? Mais quoi, on l'a pas vu ou quoi? Les gars, je vais quand même aller en repérage. Tu sais quoi avec mon trophée, frère? Pour Brice, c'est un problème. Ouais, mon gars, dis-moi! Non, j'arrête. De base, Unchain se fait voler son tel. Il mais a... j'avais oublié quand il y avait ça de base. Il a pété un câble. Après, si je passe, parti en couille en guerre. Après, on va à la guerre. À la guerre, comme à la guerre. Non, tire pas, c'est dans l'intérieur. Bon alors les gars, ça fait quoi? Les gars, attends, les gars, faites grave gaffe, il y a des arbres. Non, en vrai Théo, en vrai de vrai. Oh ta gueule toi, ta gueule. Non, écoute, pour de vrai, Théo, je troll pas. Le mec il t'a dit que oui, ça passait, je sais pas quoi les arbres, mais genre là t'es vraiment au spot pile poil où il y a des arbres en dessous. Mais t'es là, ta gueule. Elle va tourner là, Google. On va tourner là, Google. Tout à l'heure, les gars, il y a eu la guerre à la boxe. Unchain Brice contre moi et Théo. Vidéo peut-être déjà sortie, je sais pas. Mais vous l'avez vu dans le vlog. Là, les gars, la deuxième guerre, c'est Brice et moi contre Théo et Unchain. Coupure d'électricité. Ok, les gars, coupure d'électricité, c'est sûr, c'est eux. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, j'ai des protections. Ok. Du coup, Brice, t'as une protection pour les yeux. Tiens, et je vais la mettre, je vais vous montrer ça fait quoi. Wouah, on dirait Quicksilver dans X-Men. Bon, en vrai, ils sont dehors. Bon. What? T'as entendu? What? Mon gars? Les gars? Vous êtes où? Mec, viens, on passe par la droite. Au moins, à droite, il n'y a pas les... Les arbres. Les arbres. Ah. Non, c'est mieux quand t'as la lumière. Je me fais baiser par les moustiques. Ah, non, ouais. C'est quoi? Non! What the fuck? What? What? À couvert! What? What the fuck? What? Attends, mec! Mec, les lunettes! What? C'est quoi ce bordel? Attends, mec, ils ont l'arme des émeutiers! Moi aussi je peux tirer, hein! Une balle, bien joué, Joe. Ah. Attends, ils ont disparu, mec. Avec les armes qu'ils ont, frérot, j'ai pas qu'ils me tirent dessus, du coup, je vais juste prendre la torche. Ok, hop. Pourquoi ils ont une grosse boîte avec eux, c'est quoi? Les gars, pourquoi vous courez? Pourquoi vous courez? Les gars, ça va bien se passer! Quoi? What? Les gars, coupure d'électricité. Wesh. L'électricité de la ville, elle a sauté, les gars. Hey, what the fuck? Mais les gars, vous êtes malades! Tu m'as fait trop peur, mec. J'ai trop peur. Les gars, c'est quoi ça? En fait, c'était pour fêter ton trophée des 100 000 abonnés. Il y a 2 ans. Ouais, mais vu qu'on l'a jamais fêté, bah c'était pour toi. Félicitations. On applaudit, les gars, on l'applaudit, hein. Bravo. Théo? T'as fait péter un feu d'artifice dans la maison! De la ville en fait. Toute la ville a pété à tout. Viens, on coupe toutes les lumières, on va voir s'il y a aucune lumière autour de nous parce que je suis sûr ce que tu dis c'est faux. Vas-y, putain. Ah, bah c'est noir. Ah, bah c'est fin de vidéo. Ouais. Non mais les gars, c'est de ouf. Ah, c'était une vidéo, Théo? Bah oui, tu croyais que c'était quoi? Je sais pas, tu vloguais? Non. Bon, bah... C'est quoi la vidéo? Bon, je la mettrai en description. Oh, ouais, c'est un peu d'artifice, non?
En vrai, c'était stylé, mais frérot, t'as fait tout sauter. Il y a une chaîne qui oublie qu'il a plus son téléphone. Ah oui, putain, c'est vrai. Bon, voilà, les gars, typiquement la villa. Tous les soirs, rien de dingue. Tous les soirs, rien de dingue. Et là, on a très peur parce qu'on a posté les premières vidéos et on sait que 98% des gens sont bienveillants. Mais il y a quand même des gens qui peuvent venir à la villa pendant qu'on est là. Bon, les gars, après le feu d'artifice, Cuisto Dani à l'appareil. Salut, bonjour. Manager, Cuisto. Il y a quoi d'autre comme talent caché là? Femme de ménage. On va marier. Je fais des aussi. Je ramène de la thune à la maison. Ramener la thune à la maison. Non, c'est nul. Allez, Dani. Frérot, on va manger. Bientôt le million non. D'euros. Non, mais frérot, on va manger. Pourquoi tu fais un shaker? Dani, il y a une chaîne qui a perdu. On lui a volé son tel. What? Comment ça? Bah, depuis la box, il a plus son téléphone, frère. Depuis quoi? Depuis la box. Il a perdu. Tu l'as pas dit? Ouais, il l'a pas dit. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Est-ce que tu sais, Charles, tu sais pas en train de nous faire un. Mais frère, coupure d'électricité encore! Je peux localiser son téléphone s'il faut attendre. Non, mais frère, on lui a volé, c'est bon. Si, je peux le localiser là. Tu peux localiser son thème? Mais il faut que je partage d'abord la connexion internet parce qu'il n'y a plus internet. Non, mais mec, t'es vraiment pas obligé de localiser. Bah, ben, si, comme ça, ça aide. Quoi? Non? Pourquoi non? Mais si, je vais localiser. Si, localise, ok, mec. C'est moi qui ai son thème. Ah bon? Mais je te l'ai dit au resto. Au resto. Tu vois pas? Mais oui, je le sais, mais je fais genre que je sais pas. Mais si, je te l'ai dit en. Je sais que. Voilà. Okay. Moi, je veux juste faire sonner son truc, tu vois. Il est à la maison? 15 mètres. Itinéraire, 15 mètres. Je peux faire un itinéraire. Oh merde. Tu peux allumer la lumière ou pas? Merde. Brice. Ils ont localisé son téléphone. Ouais. Ouais. Non. Ouais. On est foutu. Je reviens, on est foutu. Je vais rallumer la lumière. Attends, il est où? Ok, électricité qui revient. Non, les moustiques. En bas, il y a un criquet immense. Ah oui, on l'a vu. Ah oui, je m'en rends. Par contre, les gars, les moustiques, s'il vous plaît, tu vas passer par là. J'ai la flemme de faire le tour. Ouais. Les gars, je vous présente Théo. Hop, un téléphone en plus. Théo ne tombe pas. Comment ça, un téléphone en plus? Théo ne tombe pas. Comment ça? Ben. Oh. Tu t'es fait baisser! Tu t'es fait ken! Pas du tout. Comment ça, les gars? Bam! Il a perdu son tel, le pauvre. Non, mais c'est bon, vas-y, rends-le-moi, frère. Tu viens de dire à l'instant, oh, un téléphone de plus en mode t'as déjà volé le mien avant. Allez, redonne. Non, parce que j'ai déjà. Allez, redonne, mec, frérot. Non, c'est parce que. J'ai déjà le mien. Mais fermez votre gueule, Dani, il a dit qu'il était dans la villa, mon téléphone. Il est pas du tout dans la villa, un téléphone. Loser. Il est pas du tout dans la villa. Les gars, là j'ai un objectif. Je vais aller essayer de remettre le téléphone dans la poche de Unchain. Brice, viens voir vite fait. Voici la pièce à conviction. Oh. Je vais aller, faut que tu fasses diversion sur Unchain. Mm-hmm. Tu l'appelles à droite et moi je vais mettre le téléphone dans sa poche. Ok. Charles. Oh, écoute, avec... tu sais, c'est pas si grave ton téléphone. Le téléphone, c'est pas grave. C'est pas si grave, mec. Hein? Oh, tu pleures. Dachem, il a tenté de toucher ma bite là en fait. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Wesh, tu t'es vomi dans ta poche ou quoi? Dachem, ouais. Tu veux faire le ciseau, le zizi? Tu veux que je te coupe le zizi? Pardon? Alors, t'as intérêt à courir. Viens là! Viens là! Aïe! Non, je suis foutu. Bon, c'était un petit prank, c'est pas grave, tu te prends pas mal. Tu passes beaucoup de temps sur ton tel et vas-y, tu te détoques, ça fait un peu de bien. Donc là, c'est mon dressing, les gars. Comme vous voyez, c'est le bordel. C'est normal, je suis quelqu'un de très... Sale. Tu sais faire ça? Oh. Tu vas le faire tourner et mettre ta main. Aise, c'est trop facile. Vas-y, fais-le. Non, attends. Il faut le tourner comme ça. Ah, comme ça, c'est facile. Attends, reste comme ça. Ça fait très général allemand. Les gars, vous savez faire ça ou pas? Non, frère. Waouh, c'est mon 18. Les gars, vous savez faire ça? Bon, les gars, on va manger. Eh les gars, je suis la nouvelle copine de Brice. Tu vois, les gars, c'est la chambre de Brice. Attends, tu veux pas lui laisser un petit cadeau sous la couette? Ouais, c'est le lit de Brice, ça. Tu fais quoi? Oh, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Il vient de chier dans ta couette. Ah, c'est pas de Dani ici. Hein. Ouais, mais mon cul, il est là, entre vous deux. Super. Bien joué, Joe. T'appelles ça une bombe à retardement. Eh ouais, merde. Elle est pleine, ta copine. Parce qu'elle est venue qu'un soir, parce qu'après elle pouvait pas, parce qu'il y avait les fêtes. Ah.
Après, c'est le bouchon. Les gars, on va aux fêtes de Bayonne ou pas? C'est pas le bouchon, c'est le... Elle peut même plus sortir de la ville, en fait. On va aux fêtes de Bayonne ou pas? Pas du tout, on a pas de temps. Pas du tout. C'est ciao.